Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est 7Fall71 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Assassin's Creed Death King en compagnie de notre cher Arnaud. Et je sais pas si c'est normal, mais il me semblait être tout simplement exécuteur supérieur. Enfin, c'est écrit au-dessus, vous voyez, là où il y a ma vie et tout. Vous voyez, 4 petits carrés, il me semblait que j'avais les 5 remplis. Mais il faudra que je regarde dans le précédent épisode si c'était comme ça ou pas, mais ça me choque juste un tout petit peu, en fait. Donc, on va continuer. Donc là, ce qu'on va faire dans cet épisode, premièrement... là, j'ai envie de vous dire, on va déjà se mettre la map et on va aller tout simplement essayer de... Hop, voilà. De faire ça, ça serait déjà pas mal pour voir les horizons tranquillement, pépère, voilà, au calme. Hop, tac, 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 allez, monte, s'il te plaît, merci mon cher Arnaud. On va aller justement dans ce point d'observation pour débloquer un bout de la map et y voir, oula, et y voir un peu plus clair. Ce serait, à mon avis, fort sympathique et fort utile. Alors, est-ce que tu crois que je peux aller jusque là-bas? Alors, on va essayer, vas-y, monte, s'il te plaît, voilà, hop, je cours, hop, on va essayer, on va voir s'il y va ou pas. Oh oui, bien sûr qu'il y va, non mais c'est easy pour lui, non mais c'est une promenade de santé, allons. Voilà, donc on est, encore une fois, je le rappelle, sur Disking, sur PS4, à Paris. Non, à Saint-Denis, pardon, si j'ai bien saisi le truc. Hop, enfin si j'ai bien saisi la campagne de promo du jeu, enfin du truc, du DLC, plutôt, gratuit en plus, c'est pas génial. Hop, voilà, hop, vas-y, monte, encore, hop, allez, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est loin ou pas loin? Ah, 132 mètres, oh, bah, c'est rien, c'est des rigolades. C'est des rigolades, moi je fais ça tous les jours. Hop, voilà, je grimpe sur les toits le matin, tac, je bois mon petit café au-dessus d'une tour, au-dessus d'une tour, quoi, tout simplement, au-dessus de l'église à côté de chez moi. Ok, hop. Je sais pas ce que c'est que ça. Attendez, je vais aller voir un truc. Je vais aller voir un truc, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, merci. Alors, hop, vas-y, monte, s'il te plaît, merci beaucoup. Allez, hop là, je sais pas du tout ce que c'est, on va y prendre. Et bah voilà! Bonaparte récupéré dans ce quartier, bah alors, Bonaparte, t'as un problème? Oh putain, putain toi mon gars, fallait pas me chercher. Salut! Au revoir. Merci d'être venu, c'était fort sympathique, j'ai beaucoup aimé votre présence, qui n'a servi absolument à rien. Ok, bon, ok, tout fonctionne, oui, j'ai quand même vérifié parce qu'on sait jamais. Alors, t'es un méchant ou t'es un gentil, toi? Visiblement t'es gentil, tu veux pas. Tu me veux pas de mal, bah moi non plus je te veux pas de mal dans ce cas. Tu m'as l'air fort sympathique. Alors, hop, tatatin, oh des drapeaux français. Oui, donc je vais essayer de monter là-bas au-dessus tranquillement. Voilà, exécuteur, mais ça me choque. Alors, il est où ce truc? Ah mais ah, c'est vrai qu'il y a encore les trucs de compétences, etc. Putain, je l'avais oublié ça. Je sais plus comment on fait pour sauter en arrière dans ce jeu, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus du tout des boutons. Enfin, les boutons, vite fait. Enfin, si, de 2-3, mais là, je m'en rappelle plus beaucoup. Hop, là, on va avoir un beau petit panorama de la ville, en plus, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, après, on va faire... Je sais qu'il y en a encore un qui me reste, je sais pas trop où. Et on va essayer d'y aller après. Oh, le bruit de l'aigle magnifique qui nous suit. Assassin's Creed, en Assassin's Creed, il y a bien un truc qui change pas, c'est ça. Ok, voilà. Magnifique. Magnifique. Regardez ça, contempler, regardez la magnifique beauté de cet Assassin's Creed Unity. Bon, c'est vrai qu'après The Order, ça fait bizarre, parce que The Order a tellement un bas haut. Tac, allez, hop, vas-y, saute là-bas dedans. Jure l'humain, voilà, hop. Bonjour. Bah alors, t'es fier de moi? Est-ce que t'es fier de moi? Dis-moi, est-ce que t'es fier de moi? Allez, dis. Ok, tu veux pas, bah tant pis, moi je m'en vais. Je m'en vais quand même, je vais dire que oui. Alors, on va aller faire celui-ci, hein, hop. Ah, je suis désolé, hein, moi, des fois, je joue tranquillement, vous voyez, Assassin's Creed, hein. Moi, enfin, c'est un let's play, je joue comme je joue. Bah ouais, hop, alors, tac, si tu peux, non, tu veux pas faire ce que je voulais faire? Bon, bah, tant pis, mais c'est pas grave, on va faire autre chose. Hop, vas-y, on va essayer quand même d'escalader, c'est quand même, d'y aller en escaladant, c'est quand même le principal atout, j'ai envie de vous dire, de Assassin's Creed. Hey, Assassin's Creed, ok, hop, allez, saute là-bas. Non, quel con, mais quel boulet. Oh putain, je vais tuer l'autre, mais j'ai pas réussi. Enfin, il a pas. Enfin, j'ai cliqué trop tard pour être précis. Pour être précis, ok. Encore un truc bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des carrés jaunes partout. Rouge, pardon. Parce que jaune, là, à mon avis, faut sacrément problème pour voir le rouge-jaune. À mon avis, là, c'est même plus que du daltonisme. Oh, je te chance. J'ai cru que j'allais avoir un petit peu de vie en moins, mais alors pas du tout. Il est très gentil avec moi, le jeu. Merci beaucoup, c'est fort sympathique. Alors, hop. Voilà. Allez, salut, hop, merci. Regardez ça, le détail du toit, avec la petite mousse et tout. Franchement, sympa. Ok, bon, hop. Oh, le volet pété qui va bien m'arranger. Hop.
Alors, n'abaissez surtout pas le volet maintenant, s'il vous plaît. Ne prenez pas l'idée de dormir, merci. Imagine, pendant que t'es dessus, le mec, il ferme son volet, tranquille, au calme. Alors. Je sais pas où il est, le truc à ramasser, là. Ah, il est juste là. Bah, attendez, hop, on va le prendre. Voilà. Non, excusez-moi, je suis que de passage. Non, mais oubliez-moi. Merde, quel boulet. Oubliez-moi, oubliez-moi. Ouais, je suis pas là. J'étais juste pour Bonaparte, en fait, j'ai une petite course à faire pour lui. Voilà, rien du tout, je retourne à Paris après, non, vous voulez pas. Vous voulez pas, je suis désolé. Oh putain, petit moulin. Ouh, ça sent la zone sympathique. Oula. Par contre, là, je fais comment pour descendre? Y a rien. Eh ben, on descendra. Comme on descendra. Ah bah, voilà, bah, ma foi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes comme ça. Oh putain. Oh, il y a le truc à ramasser là-bas. Mais c'est pas grave, il y a trop de monde, c'est chiant. J'ai pas envie. Hop, ok. Là, il y a une petite planque, c'est cool. Je sais pas si on peut ramasser des sous dans le jeu. Enfin, je pense quand même. Hop. Allez, hop, voilà, merci. À Paris. On peut aller à Paris depuis là. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et là, je m'égare complètement. Je courais, mais je me rappelais même plus. J'avais mis un objectif. Ok, c'est génial. Oula. Il a couru bizarrement. Allez. Voilà. Descends donc de là. Ça m'intéresse pas ce que tu es en train de faire. Voilà. Je passe sous l'arche. Waouh. C'était impressionnant. Ok. Hop. Allez. Merci. Bon, on va monter après ce moulin. On va voir ce que ça donne, justement. Alors. Travailler, bande de feignants. Alors. Là, ah, bah là, on peut pas faire la. Il tourne pas. C'est un peu dommage. Sinon, on aurait pu faire la musique. Mais bon, on va pas la faire. Le moulin tourne pas. Ok. Hop. Je suppose qu'il faut monter au-dessus de ça. T'imagines, quand tu montes dessus, tu fais tourner le bordel. Les gars en dessous qui se font tous écraser et tout. Et gros massacre. Attends, je peux pas monter plus haut? Voilà, synchronisé, parfait. Depuis un moulin, c'est quand même magnifique. Magnifique, moi je dis. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule, hein. Si vous m'entendez moucher ou je sais quoi, je vous m'excuserai. Hop. Youhou, je recommence. Qui est fier de moi ce coup-ci? Moi, ouais. Le mec qui part dans son trip, mais alors complètement. Bon, allez, c'est pas le tout, mais maintenant on a des missions à faire. Oh, je me l'ai taré ce mec. Il est complètement fou. Complètement fou. Alors, bonjour. Interagir. Avec quoi? Le journal? Alors, ce qu'on va faire, c'est quand même, on va essayer quand même de choper ça. Ça peut être sympa. Merde, ils sont deux, trois. Oh merde, ils étaient un peu plus nombreux que ça, mais c'est pas grave. On va attendre qu'il nous attaque, on va pas se faire chier, hein. Voilà. Allez, attaque-le. Tue-le. Voilà. Tue-le. 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 Voilà. Merci. Ah bah attends, et finis-le quand même. Voilà. Merde. Attends, on laisse pas souffrir les gens comme ça dans notre pays. Ok. Merci. Tac. Allez, récupère. Fouillation. Fouillasson. Merci. Hop. Fouillasson. Encore celui-ci. Ça veut rien dire, hein, je vous rassure. Hop. Voilà. Merci. Hop. Allez, des fois si je peux récupérer des fumigènes ou je sais pas quoi, ça pourrait être fort sympathique. Allez, poussez-vous. Pardon, pardon. Ouh, ça par l'effet, la lumière et tout dans la rue là, franchement sympa. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment sympathique. Ah oui. Ah, tu es criminel, vite. Criminel, tu vas être mouru. Oh merde, c'est pas vrai. Oh. Oh putain, ils sont gentils, ils m'aident. Merci de m'aider. Merci beaucoup. Je m'en souviendrai, peut-être un jour. Je t'aiderai, cher ami. Allez, voilà. Je t'aiderai peut-être lorsque tu en auras besoin. Appelle-moi. Hop, je répondrai au nom de Arno. Ok. Hop. Bonjour. Excusez-moi. Je suis quelqu'un de très violent. Je sais pas si c'est encore les catacombes. C'est quoi ce truc? Interagir. Ah oui, c'est vrai. La petite lampe. Non mais tu peux le, voilà, tu peux la ranger. Elle brûle? Encore? Voilà, d'accord, ok. Ah, attendez, il y a un petit coffre jaune. Il est où? Il est où? Il est là. Ok, cool. Rond. Allez. Oh putain, on peut l'ouvrir. Oh génial. Vous avez débloqué la tenue des yeux, ah, bah là je deviens fin fou, hein. D'accord, en fait non, c'était juste 1250 francs. Bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire.
Donc ça fait déjà 10 minutes, ok, 10 minutes pour faire deux machins, donc c'était plutôt cool. Donc maintenant on va aller tout simplement à la mission qui se trouve maintenant tout proche. Alors, vous avez reçu des revenus supplémentaires à l'amphithéâtre, au café de théâtre, vous attendent désormais dans votre coffre. Ah mais je peux pas y aller maintenant parce que là je suis dans des skins mon gars, je suis pas dans Paris. Hop là, c'est par là. Voilà. Oh, il y a encore un truc à récupérer. On y va, on y va pas. Attendez, allez, on va aller admirer un peu comment ça se passe. C'est dans une maison, c'est en l'air, c'est comment. Oh putain. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux comment c'est. Alors. What the fuck? Ok. Toi, t'es tout seul, hein, on va dire. Voilà, il est tout seul. Oh merde, non, il était pas tout seul du tout. Là, il va me dire, faut des VT, t'es anonyme pour y faire, je sais pas quoi. Non, c'est. Ah non, j'ai ramassé. Bon, bon, ok, je me casse, hein, je vais pas attendre 15 ans, moi. Alors là, le mec, il m'a perdu, mais littéralement, les ennemis, il est passé où? C'est quoi ça? C'est quoi ce type? Il est où? Il est où? Qu'est-ce que tu fais, toi? Que tu casses tout, là? Ah, d'accord, tu répares ta charrette, mon pote. Bah, bon courage, ma foi. Travaille bien, bah, à plus. Allez. Difficulté, ouf, ah oui, quand même. Le voleur de livres. Hop, allez, let's go. On va tenter, on est des fous quand même. Bonjour, c'est ici qu'habite Léon. Il n'est pas là. Ça fait des jours qu'on ne l'a pas vu. Laissez-nous en paix. A-t-il de nouveau été arrêté? Pas à ma connaissance. Beaucoup de gens aimeraient qu'on lui coupe les mains. C'est un sacré voleur, celui-là. J'ai besoin de son aide. Il s'est rendu au moulin hier. Je ne l'ai pas revu depuis. Dites-lui que Madame Margot vous envoie. Merci. Par pitié. Faites qu'il rentre à la maison. Ok, je vais faire en sorte qu'il rentre à la maison. Par contre, toi, tu ne fais pas chier. Voilà, toi tu rentreras pas à la maison. Alors, explorer le moulin. Attends, dis-moi pas, faut que je retourne jusqu'au moulin. C'est une blague, j'aurais pu y aller tout à l'heure. Bah, j'aurais pu faire tout d'un coup en fait. Pousse-toi, c'est ta faute ça, un criminel encore. On ne tue pas les gens sans raison. Ouh putain merde. Ouh putain merde. Je suis dans la merde. Non, ah voilà, allez, vas-y, ça c'est parti, ça c'est le truc qui ne m'avait pas du tout manqué. Les mecs avec leurs armes là, mon dieu quoi. Ils sont juste aux ribalations. Alors là, faut faire le saut de la foi pour pouvoir le récupérer. Oh punaise. Ok. Bon, allez, let's go. Maintenant qu'on s'est fait un peu buter là déjà quelques carrés, donc c'est plutôt cool. On a intérêt à y aller en discrétion cette fois. Ah là, j'ai pas bien le choix, hein, parce qu'en plus, je suis déjà à moitié repéré. Enfin, même pas, même à mon facile, je suis en train d'être repéré là. Ils sont en train de me lâcher, mais bon. Hop. Ok. Ah voilà, c'est bon. Hop, avec le fameux bruit qui nous suit depuis Assassin's Creed 1, n'est-ce pas? Ok. Tac. Monte, s'il te plaît, merci Arnaud. Oh là, d'accord. Il monte après les arbres. Le mec, il se prend pour je sais pas qui. Quelqu'un. Ben, vous avez compris. Je sais pas. Quelqu'un qui craint aux arbres. Voilà. Hop. 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 Est-ce que celui-ci, il faut quelque chose? Il faut un niveau d'initié ou pas? Oh. Ouh. C'était rond. C'était pas triangle. Vous avez débloqué la tenue de Altaïr. Non, pas du tout. Oh, 5000 euros. Oh, putain, j'achète. Ah, j'achète. Clairement, j'achète. Ok. Alors, le moulin, oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh putain, il y a du monde. Ouh là là. Est-ce que tu l'as vu? Qui? Vite. Alors attention. Voilà. Ah, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Hein. Ma foi, je tue un peu tout le monde là au moins. Ça fait de la place. Alors le moulin il est là-bas. Qu'on se mette d'accord. Hein. Alors là il y en a trois. Donc si je peux essayer d'en tuer deux. Aaron interagir avec le journal encore une fois. Alors toi t'es un peu à part. Vite. Ah non. Voilà c'est bon. Il est mort. Pas du tout. Mais bon, il est mort. Maintenant il est mort. Ok.
que 3 machins de soins. Ouh là là. Eh mais faut que m'en donnez-en s'il vous plaît. Donnez-moi du truc de soins s'il vous plaît. Putain, y en a pas un qui va me donner des... Ah, 6 remèdes x2, cool. Oh, merci. Ah, je les ai pas fouillés les autres. Ah, j'aurais peut-être dû les fouiller quand je les ai tués, oui. Ouh, grave erreur que j'ai fait. Attends, ah, remède encore. Putain, c'est quel bouton pour courir, merde. Je l'ai... Voilà. Putain, j'ai cherché tous les boutons, là. J'étais perdu, l'histoire d'un instant. Ok. On va les fouiller. Ouais, j'étais en train de m'emmoucher. Excusez-moi, encore une fois, je suis vraiment désolé. Alors, hop, fouiller. Si jamais j'oublie d'y couper au montage si fortement possible, bah vous m'en excuserez. Et des fois, il y a des trucs comme ça, je pense pas du tout à y couper. Et du coup, bah ça finit brut. Hein. Enfin, au moins, vous avez le making-of en direct, c'est plutôt sympa. Alors, hop. Voilà, donc on va essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas en haut. Hein. Je suppose qu'il faut que j'aille en haut, je pense pas qu'il faut que je descende. Trouver l'entrée du souterrain. Ah, d'accord. Ah bah non. Elle est en bas. Hey, hey, elle est par là, je pense. Je pense qu'elle est par là. Hop, on va faire un petit truc. Non, ouais, elle est pas. Personne. Ok, c'est par là. Allez, ah. Exactement, allez, ah. Allez, allez, voilà, merci. Ok, donc bon. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est sympa en tout cas. Oh, il y a du monde. C'est à moi maintenant. Ces babioles ne valent pas la peine de se battre. Dès qu'on trouvera cette porte, on sera riche comme Crésus. Allez, au travail. Au travail, feignant. Alors, maintenez le 3 pour allumer ou éteindre la lampe. Non. Les pilleurs descendaient dans les souterrains. Alors, je sais jamais. Divinement, ce sont des piètre adversaire, mais en groupe, qui peuvent se révéler redoutables. Alors, maintenez le droit pour allumer et éteindre la torche. Oui. 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 Oui, d'accord. Alors. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'individuellement, c'est des grosses merdes. Voilà. Alors, faut faire quoi? Éviter toute situation de conflit. Trouver Léon dans les souterrains. Putain, c'est qui Léon? Léon. Alors, comment est fait? Oh putain, merde. D'accord, si je commence déjà à me faire repérer. Le capitaine Rose a fini par l'attraper. Léon, il paraît qu'il a tué deux de nos hommes. À mon avis. Oula. Voilà, nickel. On va essayer de les tuer un par un, tranquillement, mais sûrement. Oh oh! Oh merde! Oh putain! Oh, je les avais pas vus les deux là-bas! Non, c'est bon, tout va bien. Ok, alors. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas dans le bon sens, ces abrutis. Faudrait que je passe par là-bas, après ce serait bon, mais ça m'éviterait toute situation de conflit, n'est-ce pas? Oula! Oh oh, oh oh, oh non, non, non! Ok, cool, toi dégage. Voilà, hop. On va essayer de passer par là, voir ce que ça fait. Je pense que là, il n'y a plus personne. Allez, viens, allez Arnaud. Hop, on va pas tuer tout le monde, ça sert à rien. De toute façon, ça donne pas d'XP supplémentaire. Non, je pense que je peux y aller. Hein. Hop, on va prendre le coffre initié, si je peux. Ouais, ça c'est bon, c'est cool ça. Hop, 5000 encore. Puis la vache, j'ai gagné 10 000 en peu de temps. Là. Enfin, sans effort. Oula, il y a du monde là-bas. Waouh. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que premièrement, on va essayer de se foutre à couvert. Ah, mais ils sont au-dessus peut-être. J'en ai vu un en bas. C'est la nuit qu'il se montre. Ouais, je me demande combien de verres tu avais bu. Waouh. Oh putain, la vache. Non, je suis pas là.
passer ou pas là? Merde, je peux pas. Oh, je suis obligé de passer par là. Ok, alors hop, on va faire ça. Ok, allez. Écarte-toi, abruti con. Ok, c'est bon, ça passe. Vite, vite, vite. C'est bon. Toi, dégage. Toi aussi. Oh oh, ah oui, le groupe. Hey. Ils ont dit individuellement c'est des merdes, donc on va compter là-dessus. Hein. On va voir. Bah, de toute façon, hein, c'est obligé. Parce que là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Oh putain, la vache. Je vois très difficilement comment j'aurais pu faire pour pouvoir tout esquiver, mais c'est pas grave. Voilà. Tant pis, tant pis. J'ai combien de 7? Je vais en utiliser un, comme ça, si jamais il y en a qui m'en donne, ben, au moins je suis sûr de pouvoir l'accueillir dans ma petite bourse au remède. Tac, voilà. Au moins, on est tranquille, les amis. Allez, fouille, s'il te plaît. Dieu, j'ai cru qu'il fouillait, j'ai regardé voir si ma capture marche encore et tout, mais le mec, non, il reste debout comme ça. Ok, vas-y, j'ai décidé de te faire chier, donc je fouillerai pas. Voilà, regardez, hop, un petit remède, donc du coup, c'est cool. Je les fouille tous, hein. Enfin, je suis vraiment désolé pour ceux qui trouvent ça chiant, mais bon, hop, voilà, au moins. Si vous voulez y retrouver des trucs, des fois c'est le meilleur moyen. Regardez, hop, encore des remèdes. Au moins, je suis après à l'abri. Et ça m'évite de gaspiller des sous pour acheter des conneries de remèdes ou je sais pas quoi. Il y a un petit truc là. Donc, on va essayer de récupérer le coffre. Si je peux, bien évidemment. Voilà, et je gagne 4000, t'imagines encore. Ah, d'accord, des bombes de mortier. Je connais pas. Allez, monte. Mais, ah merde, c'est pas là du tout. Faut que j'aille. Ah, j'en ai pas fouillé encore là. Heureusement que ça m'en prend de plomb, hein, à fouiller les gens, par contre, parce que là, ça deviendrait très chiant. Bon fumigène, ça y est, regardez, j'en ai gagné une. Pff, courage. Bah, même si j'utilise pas beaucoup. Alors, attends. Explique-moi où faut que j'aille. Faut que je passe au-dessus, non? Ouais, je crois que c'est ça. Oh, putain. Je pense pas qu'il est très violent, mais... Je préfère le tuer, quand même. Hop. Alors, toi, crochetage niveau 2. Bon. Alors ça devrait le faire. Ah oh. Je sais pas combien j'ai de crochets. 2, d'accord, ok, c'est pas beaucoup. Ah ouais, mais j'ai pas de réflexe aujourd'hui, c'est quoi cette merde? Oh putain, allez. Voilà. Oh, oh, oh allez, laisse tomber. Alors j'ai fait de la grosse merde, là. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, oui, on oublie. Hop, en plus j'ai plus de crochets, va falloir que je rachète ou que j'en trouve, j'en sais rien, mais ça me paraît pas top. Alors, bon, moi j'étais persuadé qu'il fallait que je passe par là-bas, c'est pour ça en fait que j'ai tué tout le monde, mais en fait j'aurais pu éviter de tuer tout le monde. J'ai déjà entendu parler. Ces gens-là descendaient de Dieu. Quand ils pissaient, qui remplissait leur pot de chambre. Alors, Léon. Des fontaines de rubis se sont déversées de leur cou pour arroser toute la France. Et maintenant, un homme issu du pire des bas-fonds peut gravir le sommet de l'Olympe. Lâche-moi, crétin! C'est ça que tu veux, petit homme? Gravir l'Olympe? Je sais qui tu es. Un ambitieux. Tout comme moi. Rose? Commandant Bonaparte? Vous avez du nouveau? J'ai ceci. La porte couvre cette clé et je vous récompenserai au-delà de vos rêves les plus fous. Qui protège cette porte? Voilà donc notre petit importun. Qui traitez-vous de petit? Je suis presque aussi grand. Et toi? Tu dois apprendre à être plus diplomate, mon garçon. Rose, je vous laisse le ramener à la surface. Bien sûr, commandant. Mais je ne vous laisserai pas faire, car je suis là pour veiller... Ah bah d'accord, je crois que c'était fini, mais non. Le fantôme des rois. Moi qui comptais sur l'effet de surprise. Hein, d'accord. Oh putain, il m'a trahi le mec. Enfin, il a trahi ma présence, je veux dire, par là. Oh non, culé de gosse. Je vais te sauver et toi, tu me trahis comme ça. Putain, t'es con, mec. Je parle au gosse, hein, pas bien sûr. Putain, Lyon quoi, merde, t'assures pas là. Oh, des crochets, cool.
Putain, merde, Tommy. Je pensais qu'on allait avoir une petite séquence et tout, mais non, pas du tout. Alors, bon, tu m'excuseras, mais t'as fait le con, donc t'assumes. Tu peux croupir un tôle. Ne t'approche pas, monstre. Ouais. Je ne suis pas un fantôme. C'est Madame Margot qui m'envoie. Madame Margot? Tu essaies de me brouiller l'esprit. Un intrus. Encore? Oula. Non, je ne suis pas un intrus. Je suis ici pour vivre. Oula, attends. Pour effrayer les pilleurs, tuer leur chef. Ok. On va essayer de tuer le chef, bon ça va pas être mince. Ah si, peut-être. Allez, allez. Voilà. Alors, revenez. Alors, vous allez où? Revenez. Revenez. Au revoir. Rapprochez-vous de votre cible. Ok. Wow. Tu doutes toujours? Dépêche-toi, il faut se cacher. Ouvre. Allez. Je cherche un manuscrit. Il a été pris dans un tombeau sous la basilique. Oui, je l'ai. Nous irons le chercher dans ma forteresse plus tard. Comment t'as appris tout ça? J'ai jamais vu personne se battre comme toi. Tu vas me faire rougir. Le mec, t'es. À Paris. Wow. Moi, je m'entraîne derrière la maison. Mais personne n'est en mesure de m'aider. Tous ceux qui se battent sont à Paris. Comme toi. Et qu'en pense ta mère? Madame Margot? C'est pas ma mère. Ma mère est une morisque. Elle a dû retourner en Espagne. C'est pour ça que j'ai fini à l'orphelinat. Je suis sûr que mes parents reviendront quand la France ira mieux. Putain, le nombre de rats, les gens. Regardez ça, ce travail. Par ici, viens. Ok. Mission accomplie. Suivre Léon. Il va d'abord falloir qu'on se trouve des armes. Mon petit, laisse faire le spécialiste. Oh putain. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai volé à des pilleurs, hier. Et je l'ai caché ici. C'est une belle arme. Oui, je sais. Je sais ce que je fais. C'est-à-dire? Je sauve la France. Maintenant que tu es là, ça va être beaucoup plus facile. Écoute. Quoi? Nous devons d'abord récupérer ce manuscrit. Parce que nous devons le protéger des ennemis de la France. Oh, d'accord. Il faut qu'on remonte à la surface. Alors, le mortier guillotine est un formidable outil de destruction, il est utilisable corps à corps, mais se révèle dévastateur à distance. Ok. En tout cas, le mec, il a quand même pris la grosse tête. Hein. Je vais sauver la France. Ouais, ok. Je veux sauver la France, pardon. Alors, s'il te plaît, tu peux descendre, non? Quand tu veux, non? Merci, ouais, merci beaucoup. Ah, c'est vrai, attends. Tu es malin, mais ne te crois pas trop malin. Voilà. J'avais oublié qu'il fallait faire ça, parce que sinon tu peux pas passer. Alors attends. Pour utiliser le mortier guillotine en tant que mortier, maintenez L1 puis maintenez L1 puis R2 pour viser, pour tirer à la chair R2. Ok, jusque là ça va. Non mais attends, éteins voir cette merde là. Hein. Je vois rien. Rien du tout. Oh la vache. Oh. Par contre, toi, t'as rien eu. Ah oui, ça quand même être plutôt pratique, hein. Hop. Allez, prends ça. Voilà. Bravo. Ok. Hop. Allez. Oh, je sais pas si je vais fouiller tout le monde, parce que j'ai pas trop besoin. En tout cas, le truc de mortier, là, ça peut, je pense que ça va s'avérer utile dans le futur. Hop là. Oula, il y a du monde là-bas. Faut que j'aille où? D'accord. Ah bah écoute, on va passer par là mon petit. Hop, voilà, mon cher Arnaud. Merde, il y a du monde partout en fait. Pas cool ça. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, puis il y en a un qui bug, ça m'arrange pas. Oh non, 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 je suis pas là. Oubliez-moi. Hop là. Hop, je suis très discret hein, comme vous pouvez le remarquer. Aïe, eh mais pourquoi je me bats plus avec mon épée maintenant? Mais lâche-moi! Putain, ils sont chiants eux.
Allez. Voilà. Encore. Encore un coup. Et il est mort. C'est bon. Tout va bien. Et j'aimerais bien mieux me battre avec mon épée, moi, qu'avec ça. Toi, dégage. Ouais. T'as voulu ouvrir, bah maintenant, je te la ferme. Ok. Hop là. Allez. Oh merde. J'avais pas vu qu'il y en avait encore, moi. Allez. Tue-le. Ok. Bon, ça va. Heureusement qu'ils sont faibles, hein. En même temps, oui, oula, tu t'es pris cher pour pas grand chose. Ok. Parade parfaite. Bah oui, mais en même temps, je vais pas faire de parade parfaite s'il m'attaque pas. Enfin, bon, c'est un peu logique, j'ai envie de vous dire. Hop, ok. Bon, génial, ok. Bon, tatatatin. Oh. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'avais même pas marqué sur la carte. Ok. Wow. Parlez. T'es plus fort que les héros des histoires. Parce que les histoires n'ont rien de vrai. Tac. Non. Non, par contre, éteins là maintenant. Merci. Ouvrir. Allez, ouvre. Je veux remonter à la surface. La sortie est là. Je crois. Je crois, mais je ne suis pas très sûr. Ok, go. Go, go, go. Putain, je peux plus courir. Oh non. Ça, c'est le genre de truc chiant. Pourquoi faites-vous appel à quelqu'un comme Rose pour trouver le temple? Il n'a que faire de nos dessins. À votre place, je ne m'abaisserai pas avec que quelqu'un comme... Que désirent les rats? De la nourriture, bien sûr. Vous songez à leur intérêt personnel. Mais... vous vous trompez. Et voilà qu'ils sont morts. Je connais... l'animal humain, ce qu'il craint, ce qu'il aime. Rose est-il mauvais? Assurément. Mais moi, Napoléon Bonaparte, je peux le contrôler et le mettre au service de la France. Les gens s'empresseront de renoncer à leur liberté s'ils entretiennent l'espoir de se hisser au sommet. L'artefact que renferme le temple leur donnera cet espoir illusoire. Et je nous conduirai vers la gloire. On doit l'arrêter et sauver le peuple de France. Les sauver ne ferait que retarder l'inéluctable. Pourquoi dis-tu cela? Tu veux vraiment sacrifier ta vie en vain, petit homme? Si tu as peur, eh bien pas moi. Aïe, Léon, reviens ici. Au pied, Léon. Léon. Où es-tu? Je suis parti. Oh putain, le nombre de rats. Oh. Vous entrez dans une zone d'enquête. Oui. D'accord. Ok. Là, qu'est-ce qu'il y a? Alors attends. Je comprends pas. Ok, c'est quoi le trip? Ouh là là, c'est compliqué leur truc. Je comprends pas trop là. Ah. Ok, ça a marché? Peut-être. Merde, je crois que ma lanterne est morte. Ah non, pas du tout. Est-ce qu'on a un autre de truc comme ça? Je sais pas, peut-être, sûrement.
Hop, allez. En fait, franchement, je pense que ça s'efface au fur et à mesure. Il faut que j'y fasse. Alors, toi, apparaît. Voilà. Toi aussi. Faut que je me dépêche avant que ça disparaisse, si j'ai bien compris. Ouais, je comprends pas là leur truc. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Non. Allez. Voilà, activez les deux dalles. Une sur deux. Elle est où l'autre? Là, pas moi. Cette dalle de merde. Attends, il y en a une là, non? Pas du tout. Est-ce que je peux escalader des fois? Ça m'arrangerait. Je crois pas, hein. C'est peut-être par là. Voilà, nickel. On va aller voir plus haut, voir s'il y a quelque chose d'autre. Par là, oui, certainement. Hop, d'accord, non, il m'a chié à la gueule. Il m'a dit non, c'est pas par là, tu te démerdes. Ok. Bon, j'aimerais bien réussir à comprendre leur truc là. Ouais, non, bon, visiblement il veut pas passer par là. Ah, cool, j'ai réussi à venir ici. Voilà. Je vais te percer le cœur et prendre ton trésor. Dégage, tais-toi. Taisez-vous, merde. Ok, bon bah au moins, ça fait un peu d'action dans ce monde de brut. Oh putain la vache. Allez, esquive. Oh. T'es où? Voilà. Il me saoule avec leur truc là. Dans une zone de quête, mais oui, mais attends, alors continuer. Alors, je pense qu'il faut faire quelque chose quand même. Je pense qu'il y a un truc à faire au niveau de l'escalade. On verra. Ah, oui, d'accord, il y a des trucs contre sur le mur. On va vite voir ça. Hein. Tac, ok, c'est bon ou pas? Voilà! Ils sont activés tes deux dalles maintenant. Ah d'accord. Oh putain, petite musique quoi, sans déconner. Ok. Cool! Allez, trouver une issue pour aller à la surface maintenant! Bah, c'est tout con, je suppose. Et après, on va arrêter tout simplement cet épisode. Après, presque 40 minutes. Donc bon, je pense qu'une fois qu'on sera en l'air et tout, certainement une cinématique. À mon avis, ça va faire un bon gros épisode. Hop. Allez, mon cher Arnaud. Oui, voilà. Encore un désordre public. On va aller là-bas, voir ce qui se passe. Je passe dans une zone... Merde. Putain, j'ai cliqué sur le bouton, pourtant. Oh, merde. Oh, je suis coincé. Oh, l'air con. Peut-être pas si coincé que ça. Alors, on suit plus. On est vieux. On court plus vite. Hein. On ne rattrape pas l'assassin des temps modernes. Donc, peut-être pas vrai que je passe là-bas par contre. Hop là, bah voilà. Par contre, le jeu est beaucoup moins. Beaucoup plus. Enfin, c'est pas le même. Je pense que c'est pas la même journée. Non, c'est pas le même moment de la journée. Donc, du coup, le jeu est beaucoup plus agréable. Hop. Ok, je vais pas m'amuser à faire ça maintenant. Il faut que je fasse quoi? Trouver Léon? Il est là. J'ai pas mis longtemps à le trouver, ça c'est cool. Hop, petite cinématique. Donne-moi le manuscrit. Pourquoi? Je croyais que tout cela ne servait à rien. Je vais quitter le pays. Ce manuscrit est mon sauf-conduit. Tu ne penses pas à l'avenir?
Une France libre où chacun verrait sur son voisin. Grandis un peu, petit homme. Oublie la France. Pense plutôt à toi. Qu'est-ce qui a bien pu te rendre aussi égoïste? Tu ne peux pas les sauver. Ils ne reviendront pas. Tu ne vaux vraiment pas mieux qu'eux. Eh ben c'est sur ces belles paroles, chers amis, qu'on va se quitter. Voilà, donc j'espère tout simplement que cet épisode sur Assassin's Creed Unity Deathking vous aura plu. Et on se retrouve donc à très vite pour de prochaines vidéos et pour bien sûr la suite. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.